Mesdames, Messieurs, la cérémonie débute. Elle célèbre le 102e anniversaire de l'armistice de 1918, de la commémoration de la victoire et de la paix, et de l'hommage à tous les morts pour la France. Attention pour les couleurs. Envoyez. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Il y a 102 ans, près de la gare de Retonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et en hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la charte, l'UFAC invite toutes les générations et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Monsieur le maire.
Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale, messieurs, madame, messieurs les élus, messieurs les officiers, messieurs les représentants des porte-drapeaux, mesdames, messieurs, ce 102e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 se déroule de manière très inhabituelle. En effet, depuis 8 mois, jour pour jour, le Covid-19 a été déclaré par l'OMS comme pandémie. Aucun pays, aucun continent n'est épargné. Et si l'actualité toute récente semble indiquer qu'un vaccin prometteur est à un stade avancé de développement, restons plus que jamais prudents. Le confinement que nous vivons impose de nombreuses contraintes, mais il est important d'agir en citoyen responsable pour éviter une situation encore plus grave. Les règles sanitaires nous astreignent aujourd'hui à limiter le nombre de personnes pour cette cérémonie. J'ai néanmoins souhaité qu'elle soit filmée puis diffusée sur les réseaux de la commune afin qu'elle soit partagée par nos concitoyens. Car à mes yeux, les cérémonies patriotiques que nous commémorons au pied de notre monument aux morts sont des moments de rassemblement, d'échange et de partage. L'actualité a été aussi marquée récemment par les attentats terroristes à Conflans-Sainte-Honorine puis à Nice, ce qui a profondément bouleversé et choqué notre société. Aussi, cette commémoration de l'armistice doit sonner comme un signal d'alerte pour chacun d'entre nous. En effet, ce 11 novembre 1918 marqua la fin d'un des événements les plus meurtriers de notre histoire. La Première Guerre mondiale et ses 60 millions de combattants, 10 millions de morts, 20 millions de blessés. Des Français qui ont donné leur sang pour défendre nos valeurs républicaines, notre héritage, notre avenir. C'est le sens du message que je veux vous adresser aujourd'hui. Ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Ces mots qu'on prononce dès le plus jeune âge, et qui semble une évidence, à tel point qu'on ne les pense plus, qu'on n'y réfléchit plus. La liberté n'est pas un principe qui va de soi, qui a toujours été. Notre génération a été épargnée par les guerres, ce dont on peut se réjouir. Mais en contrepartie, elle a peut-être oublié qu'une nation est en constante évolution et que quelques décennies de paix sur une histoire millénaire n'est pas immuable. La liberté est d'ailleurs étrangère à de nombreux pays. Chez nous, il a fallu des guerres, des révolutions pour en arriver là. L'égalité est aussi une notion fondamentale dans notre façon de vivre ensemble. Mais cela doit être surtout une question de choix. Seuls ceux qui souhaitent s'intégrer à la nation, à notre République, une et indivisible, doivent bénéficier de cette égalité. La France ne regarde pas les origines, les choix confessionnels, les orientations individuelles, pour peu qu'on accepte ces règles. L'égalité n'est pas un dû, mais elle se mérite. L'égalité ne peut être partagée qu'entre gens qui ont les mêmes valeurs. La fraternité, c'est la façon d'appréhender l'autre avec bienveillance. C'est savoir faire preuve d'écoute, de compréhension. Mais on ne peut prodiguer cet altruisme que quand cet autre fait preuve d'humanité. On ne peut pas fraterniser avec ceux qui nous voient comme des ennemis. On n'ouvre sa porte qu'à ceux qui veulent y entrer, amicalement. Enfin, la laïcité. C'est savoir séparer ce qui relève de la sphère privée et de la sphère publique. C'est non seulement comprendre, mais surtout admettre que la loi de la République s'impose au-dessus de toute loi confessionnelle. Voilà ce pourquoi nos ancêtres se sont battus. Voilà ce que nous devons préserver plus que tout. Il est nécessaire de se souvenir de cette histoire, de la commémorer au pied de notre monument, mais le souvenir doit obligatoirement s'accompagner d'une réflexion sur l'avenir que nous souhaitons pour notre société, car c'est bien là l'une de nos ambitions, rassembler, partager, mieux se connaître, vivre ensemble, et quelle que soit notre histoire, avancer en harmonie. C'est un autre sens, notre façon de faire vivre notre République. Vive la République, vive la France,
Vive Clermont. Monsieur le sous-préfet. Message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de Madame la ministre des Armées chargée de la mémoire et des anciens combattants. C'était il y a un siècle, ce 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans dans la citadelle de Verdun. Auguste Thin, soldat de deuxième classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sur le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe chaque soir. Elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégalard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, mort pour la France. Maréchal des logis romains Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, 5e RHC, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chomel de Jarnieu, 4e régiment de chasseurs, 4e RCH, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, 4e RCH, mort pour la France. Maréchal des logis chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, 4e RCH, mort pour la France. Maréchal des logis chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, 4e
RCH, mort pour la France. Adjudant Jémy Lezy, 93e régiment d'artillerie de montagne, 93e RAM, mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie, 2e REG, mort pour la France. Caporal chef Volodymyr Ribonchuk, 1er régiment étranger de génie, 1er REG, mort pour la France. Brigadier chef Dmitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie, 1er REC, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, 1er REC, mort pour la France. Brigadier Tojo Asina Razafin Salama, 1er régiment de hussards parachutistes, 1er RHP, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste, 14e RISLP, mort pour la France. Maréchal des logis ST, 1er régiment de hussards parachutistes, 1er RHP, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes, 1er RHP, mort pour la France. Dépôt de géant pour les anciens combattants. Monsieur le maire de Clermont. Monsieur le sous-préfet. Hommage aux morts.
Minute de silence. Porte-drapeau, repos. Remerciements au porte-drapeau. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Merci de votre présence. Merci.